Bienvenue dans ce tutoriel d'Adobe Premiere Pro. Alors, dans une précédente vidéo, on a vu comment corriger le flou d'une vidéo mal filmée. Aujourd'hui, on va voir le contraire, c'est-à-dire comment appliquer le flou à une vidéo. Pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer la mienne. Alors, je suis en train de faire le montage d'une longue vidéo. Dans la vidéo numéro 63, comme vous pouvez le remarquer, j'ai une vidéo filmé en mode, on pourrait dire, portrait, non pas paysage. Alors remarquez, pour les dimensions, c'est 1800 sur 1980 et non pas le contraire. Alors si je glisse la vidéo vers la timeline, alors remarquez que j'ai ici des bords noirs et même la vidéo, elle n'est pas prise à 100% de ses dimensions réelles. Donc, option d'effet. Donc, je vais réduire encore pour avoir la vidéo dans sa totalité. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai ici des bandes de noir à gauche et à droite. Alors, ce que je vous propose, c'est de glisser dessus une vidéo, la même vidéo d'ailleurs, et de l'agrandir et de lui ajouter du flou. Comme ça, on aura un effet sympa. Alors, je vais glisser la piste vidéo vers la vidéo 2 et je vais retourner vers la vidéo 63, je vais glisser uniquement la vidéo, d'accord? En cliquant sur cette icône, je vais la mettre au-dessous. Maintenant, j'ai deux vidéos, une au-dessous de l'autre, c'est la même vidéo. Je vais changer maintenant les dimensions de la vidéo qui se trouve au-dessous, dans Options d'effet. Je vais agrandir la taille jusqu'à ce qu'il remplisse la totalité de l'écran, d'accord? Et maintenant, je vais ajouter du flou à cette piste vidéo de dessous. Alors je vais chercher dans les effets, effets, je vais choisir, taper le mot flou et je tombe sur dans les effets vidéo flou gaussien. Alors je glisse l'effet vers la vidéo attention qui se trouve au dessous, d'accord? Et dans les options d'effets, je vais augmenter la taille de flou et comme ça remarquer par magie que j'ai l'effet flou sur la vidéo qui se trouve au dessous. Alors je vais choisir à titre d'exemple 26 et je vais lancer maintenant la vidéo et voir le résultat. Alors je peux agrandir même la vidéo de dessus. Ah, ok. Alors il se trouve où? Échelle. Quelque chose comme ça. C'est pas mal du tout. Voilà, j'ai mon verre de thé à la menthe. Et remarquez que derrière, j'ai la même vidéo, mais agrandie avec un effet de flou. Comme ça, j'évite les bandes noires. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel Adobe Premiere Pro.